Nous allons vous présenter une petite restitution autour de deux pièces de Fabrice Melchiot, Bouli Miro et Bouli Redéboule, qui est la suite. Donc vous verrez, hein, c'est plusieurs scènes, parfois il n'y a pas un enchaînement forcément logique parce qu'on a dû couper entre les scènes. Donc je vous souhaite un très 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 bon spectacle et en espérant que ça vous plaise. Bon après-midi. Au commencement, la vie de Bouli, c'était les frissons de la peur de tout. Ses parents n'en revenaient pas d'avoir fait un trouillard pareil. À une semaine, Bouli pesait 12 kilos. Son papa, c'était Daddy Rotondo. Il était gros. Et sa maman, c'était Maman Minoclar. Elle n'y voyait rien. Eh bien, Bouli, c'était les deux. À 4 ans, Bouli est entré à l'école. À l'école? Grelard, bouffi, baudruche, tas de graisse. Sauf que Bouli était devenu tellement gros qu'il aurait eu bien du mal à rentrer dans un mot, même celui-là. Bouli a compris qu'il n'était pas question de s'asseoir sur ses parents, pas question de s'asseoir sur l'amour. Il s'est mis à penser à un autre corps. Il s'est mis à la gymnastique. Et grâce à la gymnastique, les kilos sont partis dans l'air avec la méchanceté des autres. Il a même fait une publicité qui est passée à la télé. Mon cher Bouli, j'espère que tu vas comme sur des roulettes. Et même mieux, comme sur des roulettes. Allô, Bouli? T'es-tu là? Je t'appelle du pays d'Espagne, car je n'en pouvais plus de tout ce monde. Quand on s'aime comme nous? Ouais. On s'aime, pas vrai? Énormément. On pourrait s'embrasser? Sur la bouche? Tu te sens bien? Bien sûr. Je veux dire qu'on s'est déjà embrassé et que je ne le savais même pas. Et sinon, c'est quoi une névrose? Une névrose, c'est un peu comme une araignée qui aurait pendu sous ta peau des tas de petits autres. Et tu l'aurais vu pondre, mais zut! Trop tard. Alors, tu sais qu'elle a pondu, et ça te rend dingue. Bouli, Bouli, réveille-toi! Tu viens de dire où? Presque. Contre toi, il est dormi comme dans le Loiret. Et comme on dort dans le Loiret? C'est le cailleur, c'est connu. Tiens, qu'est-ce que c'est? Une lettre? Non! Oui! Non! Oui, non! On espère que Bouli sera un bon petit mari, d'ailleurs, non messieurs, et de toute façon, pas question que tu ramènes un bananier à la maison. On pense bien fort à toi, papa, maman. Mais trop que tu es la plus belle fille du monde et la moins débile. Possible. Ils sont tellement pas drôles, mes parents, que c'est peut-être une blague. Les oreilles, parce qu'il n'entend plus rien quand je lui parle. Pris 15 kilos depuis le divorce avec ma mère. Ma mère, c'est intéressant ça. Continuez. C'est 90 euros. Mais quoi?